bon. On ne peut pas chaque fois faire tout là, c'est pas bon. Parce qu'on le finit. On peut dans le moins c'est tellement. C'est à mon lion. À mon lion, ma lion. Vous allez voir. Vous allez notre point milieu. C'est fait l'aide au modérant. On fait du match. Et on diffuse à moi. Même quand on a un gars qui dit, mais. Tu as un autre numéro. Qui ça doit? Qui ça fait du match en boca? Maintenant, déplacez-nous le truc là, on fait du match. Mais on est moi là, on fait quoi? Il y a un moment de bois, même la blonde. Comment nous on va rester là pour regarder le truc qu'on doit regarder là? Même nous allons du Napon. Alors mon moi.
15e journée du championnat national de Ligue Pro du Bénin, l'Autopopo leader se déplace ici à Plaroui pour affronter Dadier. Dadier qui ne reste qu'à la 3e place de ce championnat avec 24 points totalisés. Un match donc pour la première place, certainement dans le classement dans la zone B. Un derby entre Dadier FC, Dadier qui a été battu en match aller par l'Autopopo sur un score de 2-0. L'Autopopo va essayer de réaliser un bon score ici, histoire de ne plus se faire rattraper dans ce classement et rester leader jusqu'à la fin, à 3 journées de la fin de ce championnat dans la zone B. Jules, bonsoir. Bonsoir Maurice, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Vous avez si bien fait de le rappeler, cette confrontation match aller remportée par les Lotto Boys qui ont surtout cette ambition de finir en tête de cette zone B. On le sait depuis que le championnat se joue dans cette nouvelle formule, l'Autopopo n'a jamais fini en tête de sa zone. Donc ils sont très bien placés pour aller chercher cette place cette saison et ils sont conscients de ce qu'il faut enchaîner avec une nouvelle victoire aujourd'hui parce qu'on se rappelle lors de la journée la 13e journée, ils ont été fait un bon résultat du côté de Corvette. Mais avant, ils ont perdu face à cette équipe de Dynamo d'Abomey. Avant, bien sûr, de renouer avec la victoire. Et ce soir, il faudra encore confirmer qu'on a retrouvé ce goût du succès. On se rappelle surtout, lors de la première journée où l'Auto avait perdu, ils ont enchaîné avec 9 matchs sans défaite. Et cette fois-ci, ils retrouvent la dynamique et face à cette équipe de la GFC où on sait que la rencontre sera très difficile et très compliquée parce que c'est une équipe qui évolue à domicile et qui est difficile à manœuvrer à domicile et surtout qui a envie d'aller chercher cette victoire pour maintenir la course jusqu'à la Super League Pro. Et si vous êtes à la maison et vous nous suivez, vous ne vous êtes pas trompé de fréquence. Nous sommes sur la page, à la chaîne YouTube de l'Autopopo pour ce match. Il est 16h passé de 8 minutes parce qu'on a accusé quelques minutes de retard pour le démarrage de ce match. Et rapidement pour les 22 acteurs, on va dire que Vincent a fait confiance pratiquement à une équipe qu'il a presque allié contre Rodio la semaine passée. On a dans les buts le numéro 16, Raman Karim, le 6, Ghislain Aoudo, capitaine de sa formation côté Dadier, le 5, Maouloum Bouraïman, le 13, Kosti Diouanou, le 21, Christian Ezou, le 8, Lawani Kokoloa, le 24, Roland Tobito, le 7, Farid Edou, que vous connaissez très bien, l'équipe de Dadier a quand même des internationaux à l'instar de Farid Edou qui est très révoltant sur le côté. Farid Edou et puis Ghislain Aoudo également, deux joueurs qui ont permis au Bénin d'aller chercher cette qualification pour la CAN Junior du côté de Niamey en étant bien sûr vice-champion de la zone UFOAB. Des joueurs qui seront clés dans cette rencontre pour cette équipe de Dadier FC qui sans doute aura envie d'aller très tôt presser dans cette rencontre pour aller chercher la victoire. Comme quoi, la partie ne sera pas juste une partie de plaisir pour les Lotto Boys ce soir. Nassissa Guia, le numéro 10 de cette formation, le 19, Lot Wanvu, le 11, Obayami Ali Aila qui sera aussi sur un flanc de l'attaque pour les Dadier. Dans un instant, le juge central va donner le coup d'envoi et le juge central cet après-midi, c'est bien sûr Ligali qui va siffler ce match côté l'Autopopo. Chéhi n'est pas au banc. Chéhi est revenu pour son deuxième match. Chéhi Damilola qui était déjà là lors de la journée précédente dans les buts de cette équipe de l'Autopopo et qui également a fait un bon match même si dans l'ensemble de la rencontre il n'a pas été trop inquiété. Et le coup d'envoi qui vient d'être donné avec Anila qui envoie le ballon dans son camp. L'Autopopo qui n'a pas beaucoup changé son équipe si ce n'est qu'un petit changement parce que Olympe Ganti, le colosse défenseur qui pour cumul de cartons ne va pas jouer ce match. Olympe Ganti qui fait partie des patrons de cette équipe, lui qui a été toujours aussi solide aux côtés de Imran Hassan, Imran Ibrahim au niveau de l'axe central de cette équipe de l'Autopopo. C'est vrai qu'il n'est pas là, il va sans doute manquer à l'équipe, surtout avec ses jeux longs, balles au pied. Mais après on le sait, l'Autopopo a de la qualité avec une profondeur de banc intéressante. Et celui qui le remplace cet après-midi, c'est bien sûr Rumpevi Benjamin qui a quelques minutes dans les jambes. C'est aussi ça. Après tout, il faut reconnaître que quand vous êtes joueur et que quel que soit le temps de jeu que vous avez et qu'on vous donne l'opportunité, il faut savoir la saisir et montrer que vous aussi, vous avez le mérite d'être titulaire dans le jeu.
Et c'est aussi ça, la mission de Bienvenue ce soir. Il faut aller chercher un bon match parce que l'Auto en a besoin. L'Auto en a justement besoin avec ce ballon, ce premier ballon pour le jeune Abdelaziz Akiou qui s'est mélangé les pinceaux, qui perd le ballon. Alors qu'on suit le banc, on a les retours de Gilbert Dayandé, l'absence notable de Moussa Gari, le Malien. Le retour d'un autre défenseur également que vous connaissez très bien, Audrey Ganké. Audrey Ganké qu'on a presque perdu de vue à un moment donné. C'est vrai que l'Auto Popo a enregistré pas mal de défections depuis le début de la saison et qui les récupère au bon moment parce que quand vous avez Audrey Ganké qui revient au moment où la Ligue Pro tend vers sa fin et qu'on s'approche de la Super Ligue Pro, on ne peut pas souhaiter mieux parce que les cadres sont en train de revenir, ceux-là qui étaient à l'infirmerie sont en train de revenir, comme quoi la concurrence sera encore plus grande au niveau de cette équipe de l'Auto Popo. Avec ce ballon sorti, et ça fait le premier corner pour l'Auto Popo. Et c'est Mathias Adewale, l'homme le plus en forme côté l'Auto Popo, auteur de deux matchs, deux buts. Et quel but! Et quel but! On se rappelle surtout de ce coup franc face à Soleil FC. Et il y a de cela quelques jours, ce but, cette frappe venue d'ailleurs, qui a permis à l'Auto Popo d'ouvrir le score face à cette belle équipe qu'ils ont affrontée à domicile, la Estonair. Mathias Deguenon, le coach principal de cette formation de l'Auto Popo, a su bien faire. Le faire confiance au jeune Mathias Adewale, son homo, qui ne fait que confirmer de belles performances. Attention à ce ballon. Aguila qui essaie de retrouver son latéral et qui force le passage et la faute de Zulkaderi Seibou. Pas Zulkaderi, mais Abdelaziz Akiou. Abdelaziz Akiou qui est un homme très intelligent, qui est surtout intenable dans son couloir. Mais là, sur ce coup, il sait qu'il ne fallait pas laisser de place à l'adversaire. Attention à cette frappe. Farid Edou qui donne les premières étincelles dans ce match et applaudit. Heureusement que derrière, il y a également Cheïd Abidola qui a su capter le ballon pour bien intervenir, pour montrer pourquoi pas qu'il est aussi en confiance, mettre son équipe en confiance. Et surtout, il faudra éviter les pertes de balles qui sont souvent fatales et la mauvaise relance qui pourrait derrière créer des occasions à l'adversaire. La récupération de la poitrine, le centre à venir, c'est sûr. Le centre est parti, le capitaine Aoudo peut envoyer vers Farid, mais c'est Touré qui sera le premier sur ce ballon. Qui sait ? Il tente le passage. Roland Béakou. Mais qui n'a pas su, il n'a pas pu réaliser son geste. Et le ballon dégagé. Le capitaine Patrick qui revient sur la faute sur Cosmos. L'arbitre Ligali. Alors qu'on a pas... L'arbitre, il sait qu'il va avoir à dos un public hostile parce qu'on voit le public du stade d'Aplahoué qui, à chaque coup de sifflet, s'enflamme contre l'arbitre. Il faudra aussi comprendre que sur le terrain, il n'y a qu'un seul homme, il n'y a qu'un seul maître et c'est lui qui décide de ce qu'il en est des actions et des fautes. Allez, le coup franc à venir de Adewale, Mathias. Ah, il est très fort dans cet exercice. Il va déposer le ballon au second poteau. Certainement. Et cet après-midi, il n'y a pas de joueur à gabarit impressionnant. Parce qu'entre temps, on avait les montées de Olympe. Le ballon est parti. Non, il a préféré décomposer avec le centre de Abdelaziz Akiou, repoussé du bout des gants par le gardien de Dadié. À la tête en déviation de Aïla. Heureusement qu'il y a eu le retour de Kisni et le mauvais dégagement rattrapé par Mathias, mais le ballon va sortir en touche.
y a quelques difficultés, quelques manques. Heureusement, de combinaison. Heureusement qu'ils ont su s'en tirer très bien sur ce coup, parce qu'on le sait, quand vous êtes en hésitation, vous perdez des ballons qui derrière profitent à l'adversaire. Mais après, quand vous êtes là, vous êtes concentré, vous avez la concentration qu'il faut sortir proprement le ballon et surtout éviter les fautes qui pourraient donner des offensives intéressantes à l'adversaire, comme sur cette action de Mathias Adewale qui a fauché son adversaire. Merci, Jules, vous l'avez bien dit. Et on va suivre ce coup franc. Il y a Aguia qui est sur le ballon. Il y a aussi le numéro 21, Christian Ezou. Cosmos va descendre pour porter une main forte à sa défense. Cosmos David qui, depuis. Il y a du monde au second poteau. Ah oui. Et c'est surtout, il faudra être vigilant sur ce coup. Aguia, le ballon est parti. Coupé au premier poteau par Oudo. Ah, c'est la plus grosse occasion de ce match. La frappe de Oudo qui était tout seul. Il y a la combinaison, elle n'est pas faite dans le jeu. On a vu une très belle combinaison, très intelligente de la part des joueurs de Dadi FC. Heureusement que derrière la frappe de Gisela Oudo n'était pas cadrée, que c'était trop croisé. On a eu surtout une sortie un peu hésitante de la part de Cheikh Aminola qui se demandait est-ce qu'il fallait aller au contact du ballon ou attendre. Parce que devant, il y avait ses défenseurs. Et quand vous avez des défenseurs qui sont de position pour défendre, autant ne pas anticiper sur la sortie. Ou si vous sortez, il faut aller chercher le ballon. Et sur ce coup, il a heureusement qu'il s'en est bien tiré. Parce que là, c'était une occasion très dangereuse pour Dadi FC. Dadi est en train de vivre un premier quart d'heure très plaisant. Avec des occasions les plus nettes. Les occasions les plus dangereuses sont relatives de Dadier jusque-là. Attention encore à ce ballon. Mathias Adewale va le dégager très loin. Sur les pieds du capitaine, applaudi, accompagné par le public. Ah oui, la qualité du contrôle. Et regardez la place encore. La belle couverture de Imran. Ah, quel geste de classe de Imran. Et c'est bien joué. L'autopopo va repartir. Roland Biakou qui a le pied sur le ballon, il est le premier, il contrôle, il repousse trop son ballon, il va trop pousser son ballon. C'est là le défaut. Ah, ça s'enflamme cette partie. C'est là la faute, le défaut de ce joueur, Roland Biakou, très intelligent, technique, mais parfois quand il a le ballon lancé dans une contre-attaque, dans le bon timing, au lieu de lever la tête pour pouvoir combiner avec ses partenaires, il aime trop parfois un peu. Avec l'essai de confiance, y aller en solo et ça finit par perdre de ballon. Et quelle passe encore pour Aïla. Il va jouer au second poteau, il frappe. La frappe captée sans problème cette fois-ci pour le gardien de l'Autopopo qui repart par son capitaine. Mohsin Boukhari, Patrick Sediame, Mohsin. Ils vont essayer de calmer un peu la partie maintenant. Côté l'Autopopo. Il faut essayer de casser le rythme parce qu'on a l'adversaire en face qui a mis de l'intensité, qui a envie de vite ouvrir le score pour mettre la pression sur son adversaire. Donc il faut ne pas tomber dans le piège, dans le jeu de l'adversaire, mais beaucoup plus rester concentré et faire son jeu comme cela se doit. Et derrière, il faudra également que Cheikh Aminola essaie de revoir un peu ses placements parce qu'on a vu face à l'AS Tonnerre il y a de ça quelques journées, il a failli se faire surprendre parce qu'il est souvent un peu avancé dans sa sphère d'opération. Des choses qu'il faut corriger. Aguia au milieu. Joli contrôle. Et Maqué à la culotte. Et la faute de Ablaï Zakiou qui ne s'est pas laissé. Ah, les avertissements. Voilà, dans ce couloir, le couloir droit de l'Autopopo, il faudra beaucoup plus être vigilant parce qu'on a vu les fautes se multiplient sur les joueurs de Dadi FC et c'est souvent, si ce n'est pas Zakiou Abdoulaye, c'est Mathias Adewale qui est impliqué. Donc il faudra être réellement vigilant pour ne pas se faire prendre le carton aussitôt dans la rencontre. Et au match aller, on avait vu une équipe de Dadi avec un Farid Edou qui était revenu au milieu cet après-midi, non. Vincent le met plutôt au cœur du jeu. Un joueur qui est beaucoup plus habitué à évoluer dans les couloirs, mais qui se retrouve au cœur du jeu pour beaucoup plus animer et organiser le jeu, même si ce n'est pas forcément son registre de prédilection. Mais pour le moment, on voit un joueur qui arrive à mieux s'en sortir parce que la bataille de terrain semble être pour le moment beaucoup plus du côté des joueurs de la DFC. L'arbitre est revenu, a suivi cette faute sur Mathias Adewale.
Benjamin Rumpévi qui va jouer avec son gardien. Le gardien qui retrouve Ibrahim Imouran. Mohsin, Roland, Kader Touré, Patrick Sejame qui revient sur son défenseur. Le renversement de jeu vers Mathias, là, le contrôle était difficile. Difficile parce que déjà le ballon était beaucoup plus envoyé en profondeur pour lui. Il était en retard déjà dans sa course, donc difficile de pouvoir reprendre ce ballon comme cela se doit. Le contrôle de la mer de Anila signalé par Ligali. Kisli. Cosmos. Alonso. Kader dans le débordement de fonction. Ah, il était en position illicite. Il était en position illicite. Il était en position illicite. Roland Béakou. C'est vrai que juste là, Dadia a eu les actions les plus dangereuses. Mais c'est l'autopopo qui score, même si à l'arrivée, Roland Béakou était en position illicite. Il faut surtout saluer la classe du geste de Roland Béakou, même si après derrière il y a une position de hors-jeu. Dans le contrôle et l'enchaînement frappe en pivot, tout était parfait, surtout depuis le centre de Kader Touré. Malheureusement derrière il y a ce but qui a été annulé, sinon ça aurait été quand même une action de toute beauté pour l'Autopopo. À l'Autopopo, connaît la mission d'Aplaroué, c'est de ne pas perdre ici, de ne pas perdre. Est parti d'ici au moins avec le point du nul. Parce que derrière, vous avez deux matchs à discuter. Des matchs contre Rodio. Avec un déplacement, on sait que ça ne sera pas. Sur un adversaire comme Rodio FC, ça n'a jamais été facile parce que c'est une équipe qui sait bien défendre. Donc il faudra déjà commencer par assurer match après match afin de finir cette phase de la saison en beauté. Aguia qui était rentré en deuxième partie à Grand Popo est titulaire cet après-midi. Ah, je ne veux pas faire de pronostic, mais s'il doit avoir des buts, il doit avoir des buts des deux côtés. Ça, c'est sûr, parce que ce sont deux équipes qui sont offensives. On n'a pas des équipes qui mettent le bus derrière et qui essaient de contre-attaquer, mais deux équipes qui aiment garder le ballon, qui aiment la possession, qui aiment faire circuler le ballon pour aller marquer des buts. Et quand vous avez des équipes comme ça, forcément, vous vous attendez à une rencontre intéressante et prolifique. 6 buts, il doit en avoir. Et comme quoi, depuis, on a vu deux équipes qui se sont créées des occasions, malheureusement, pour le moment. Le réalisme n'y est pas trop. On attend. On vient juste de dépasser 14 minutes dans cette partie. Pour le parti que nous sommes dans le premier quart d'heure. Ah, les joueurs de Dadia ont toujours le pied sur le ballon avec ce numéro 5 qui revient en arrière. Maouloud Bouraïm, ah, le gardien qui prend quelques risques. Le ballon va être ressorti tranquillement par Farid Edou. Ah, ils ont le contrôle, ils ont le monopole du ballon. Ah, il faut lui parler, Kissini, qui va sortir ce ballon avec beaucoup de difficultés. Qui la touche est mieux. Et si vous n'avez pas prendre de risque, parce qu'à un moment donné, vous savez que vous avez la pression de l'adversaire qui vous suit de près et que vous n'avez pas vraiment d'espace pour pouvoir contrôler le ballon et sortir proprement comme cela se doit. Le mieux, la meilleure solution, c'est de dégager carrément et d'envoyer le ballon en touche. Imouran qui sort ce ballon de la tête. Le ballon a été récupéré et la frappe derrière. Cette frappe de Gislain
Non, pas de Ghislain Aoudo, mais c'est plutôt le latéral. Lawani. Kokoloro. Agia. Ah, le ballon renversé. Kader Touré qui fait le geste de défendre et de repousser le ballon. Et capté des pieds par le gardien qui relance déjà Imran. Pas de faute sur Roland. On repart toujours de l'arrière côté d'Adjet. Ah, ce ballon, il n'est pas perdu. Christian Aïla. Christian, 1-2 entre Christian et Aïla. Nourou Swalihou est venu couper ce ballon et le son en touche. Alors ça devient beaucoup plus pressant. Les joueurs de Dadier FC deviennent beaucoup plus pressants dans le camp adverse avec un pressing row, ce qui leur permet d'être sur les premiers ballons. Difficile pour les joueurs de l'Autopropo de pouvoir réellement poser le ballon, le pied sur le ballon. Et quand c'est comme ça, vous mettez en difficulté avec l'adversaire qui a le contrôle de la partie. Espérons qu'ils finissent par retrouver leur repère sur le terrain et pouvoir réellement mettre le pied sur le ballon et imposer leur domination comme à leur habitude. Imran qui va jouer avec Kissini. Ah, il efface son vis-à-vis. Mathias a dévoilé. Il va jouer avec Cosmos. On retrouve dans le couloir Zaki Wablaye qui va envoyer un centre. Contré de justesse par le numéro 21, Christian Ezoum, qui est venu contrer ce ballon. Et pourtant, Zaki avait mieux à faire. C'est vrai qu'il avait contré le ballon un peu. La dernière touche l'a mis un peu en difficulté, mais au moment de centrer, il fallait soulever le ballon pour faire ce centre en retrait. Malheureusement, il a choisi l'option de faire un centre à ras le sol. Il y avait le pied de la défense pour renvoyer ce ballon corner. L'homme des coups de pied arrêté, Mathias Adewale. C'est parti au premier poteau, coupé. Pablo Zakiou qui perd le ballon à Ila. Qui va jouer avec Agia. Agia qui essaie de renverser le jeu vers Farid Edou. Il le prend de la tête pour le numéro 8. 1-2. Manqué Nourou Swalihou qui va jouer avec Kader. Kader le centre. Dégagé. Ah, il a pris de la main. Il a pris le ballon de la main. Farid Edou. C'était bien vu. L'arbitre l'a très bien vu. Quand l'action va très vite, parfois on se passe de voir certaines choses, mais l'arbitre Ligali, qui est un expérimenté en la matière, un arbitre international, il a très bien vu la faute. Et heureusement, il avait d'abord laissé l'avantage, mais comme ça n'a pas été concrétisé, il est revenu là-dessus, comme cela se doit. On va suivre ce coup franc. Ah, il est très bon. Sur les coups de pied arrêtés, Mathias, on l'a vu déjà marquer une fois. Il adore les coups francs dans ce registre. Il va sans doute vouloir chercher le second poteau. Et c'est parti. Il ne s'est pas passé loin. Ah, il a choisi le second poteau. Et ça a été très bien travaillé le ballon. Malheureusement, c'est passé juste tout près du montant gauche du gardien de but de Dadi FC qui s'est offert, en tout cas, sur ce coup, un petit moment de frayeur. C'était bien tenté de la part de Mathias Adewale qui a montré encore une fois qu'il reste un joueur dangereux et très précis sur les coups de pied arrêtés. Il faut lui donner 1, 2, 3 coups francs et on est sûr qu'il mettra un au fond. Mohsin Boukari sur le ballon qui retourne vers son capitaine. Imran Kissini. Le gardien maintenant.
Le ballon reste dans les pieds des Lotto Boys. La passe ratée de Patrick Agia à la petite louche. Et c'est frappé, c'est capté aussi. Il y a eu du rebondant. Ah là, c'était vraiment chaud. On a vu, tout est allé très vite avec déjà la petite louche qui est passée au-dessus de la défense et derrière l'attaquant qui n'a même pas réfléchi. En première intention, il frappe. Heureusement que derrière, il y a Chez Dabilola qui était présent sur la trajectoire et qui capte calmement le ballon. Ah, on sent que ça sera réellement du tac au tac dans cette rencontre. Haïti beaucoup au but. Ça fait déjà une troisième occasion. Ah, il faut facile. Surtout, avant cette occasion de la DFC, faire remarquer le raté de Patrice Jamais qui est un habitué, qui est beaucoup plus habitué sur les longs passes dans le dos de la défense. Mais sur ce coup, malheureusement, il a tapé dans le gazon beaucoup plus au lieu de jouer le ballon. Du coup, il a perdu le ballon au niveau du terrain, ce qui a permis à cette équipe de Dadi FC de rapidement lancer l'offensive. Heureusement que derrière, il y avait Chez Dabilola sur le ballon. Christian Fouché a ces deux bonnes guerres entre Zaki Abdoulaye et Christian Izoum. Aoudo, le capitaine de Dadiev, va prendre ce ballon pour jouer le coup franc. On revient en défense avec Maoulou Mbouaïmo. Edou qui perd le contrôle. Patrick qui joue avec Roland. Cosmos qui garde le contrôle du ballon mais qui renverse le jeu vers Abdoulaye Zaki, où le contrôle n'est pas encore assuré. Il arrive à prendre ce ballon. Le contrôle manqué de Agia d'Assis. Agia qui avait voulu un milieu terrain au match aller, mais qui est visiblement sur le côté. Et tout semble, en tout cas, son repositionnement, il arrive à assurer dans son repositionnement parce qu'on voit sa facilité à se projeter vers l'avant. Et chaque fois qu'il a le ballon, on le voit en faire un bon usage. Et on sent surtout que cette rencontre, au-delà d'être tactique, c'est aussi une rencontre très physique avec les joueurs de Dadi FC qui imposent un défi physique assez impressionnant. Vous l'avez vu encore une fois Agia sur ce coup, qui a réussi à s'en tirer et qui garde le ballon. Ah, Agia applaudit dans ses manœuvres. Ah, il a des fans ici, c'est sûr. Patrick Sejamé qui va jouer sur Roland. Cosmos bien joué pour Roland, non. Le défenseur était le premier sur ce ballon. Bouraïma était le premier sur ce ballon. Et apparemment du côté de Zakiou. Oui, Zakiou avait pris un coup sur l'action précédente. On en voit tout juste les deux excentrés possibles de remplacer Zakiou à l'échauffement. Attention à ce ballon, la frappe de Roland Béakou sur le gardien. Chez Damilola qui prend ce ballon sans problème. On avait vu une fois encore Roland Béakou très soliste. C'est vrai qu'il aurait marqué qu'il n'y aurait pas de discussion autour parce que le choix en première intention n'était pas aussi mal.
Mais il y avait derrière le gardien qui a su anticiper pour repousser ce ballon. Même s'il y avait Roland Biakou qui a plus d'options parce qu'il y avait un bon positionnement de son partenaire de l'attaque, David Cosmos, malheureusement. Il a fait le choix d'aller beaucoup plus avec l'option individuelle. Et il y avait le gardien qui était sur la trajectoire pour envoyer ce ballon. Alors que Nadia vient d'obtenir aussi un coup franc sur cette action. Le coup fort repoussé par Cheikh Damilola qui s'est blessé sur le coup. Ah, c'était bien joué. Il n'y a pas eu l'ouverture du score, mais c'est plutôt la frappe, regardez, repoussée par le gardien Cheikh Damilola. On va le revoir certainement grâce à la réalisation. Regardez Aoudo qui a failli surprendre. Le gardien qui s'est blessé sur cette action. On a tout de suite à l'échauffement. Le gardien. Il va se relever, c'est sûr. Le cornet, le ballon sorti et la seconde frappe. C'est vraiment un derby chaud. Avec de chaudes actions. Cosmos qui va presser le gardien. Ah, le ballon. Il semble récupérer ce ballon, mais il a perdu. Ah, il s'est sorti finalement. Vous n'avez pas certainement vu la lourde frappe du capitaine de Nadier, Ghislain Aoudo, qui a failli ouvrir le score sur ce coup franc. C'était un très beau coup franc qui a été très bien exécuté. Heureusement que derrière, il y a encore un Cheikh Damilola très présent qui a su répondre comme cela se doit pour repousser cette lourde frappe. On le sait, Ghislain Aoudo, il est un habitué de ses qualités de frappe. Et derrière, il y a un grand gardien également qui a répondu présent, même s'il s'est fait un peu mal sur le coup. Heureusement pour le Topopo, il n'y avait pas l'ouverture du score. Mais on sent quand même une équipe qui semble prendre beaucoup plus de l'emprise sur la rencontre. Et ça semble être beaucoup plus de la DFC. Et pourquoi il faudra gérer les temps forts de l'adversaire, histoire de répondre quand on aura le ballon. Et quand vous avez l'opportunité d'aller marquer, il ne faudra surtout pas se louper. Parce que c'est une rencontre où on sent que
l'auto risque de ne pas avoir beaucoup d'occasions. Donc les moindres occasions, les moindres opportunités qu'on aura, il faut savoir les transformer pour se faire beaucoup plus de chances de partir d'ici avec de la victoire. Il y a eu la pause fraîcheur et on profite pour donner quelques consignes. Les deux staffs en profitent énormément. Ah, ça veut dire qu'il fait chaud sur ce terrain. On sait qu'on est dans une calculeur. Période pas aussi adéquate en matière de température avec la période de la montagne. On sait que les organismes sont très très sollicités. Il faut beaucoup plus s'hydrater. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. L'arbitre qui, à un moment donné, a su convier les 22 acteurs à la pause fraîcheur pour, pourquoi pas, aller prendre de quoi s'hydrater pour revenir, pour, en tout cas pour la suite de la rencontre. Et ça communique également beaucoup sur le terrain. Patrick qui va prendre ce ballon, il va frapper. Et le but ! Quel but majestueux de Patrick Saint-Germain qui prend ce ballon. Une fusée qui va atterrir au fond des filets de Nadien. L'Autopopo vient de crier la sensation ici, Jules Vaudoulon. L'Autopopo mène 1-0. Quel bonheur ! Quel bonheur, Patrick Saint-Germain ! Quel bonheur pour cette équipe de l'Autopopo. C'est juste incroyable, hein, la façon dont l'action a été menée. Une balle mal renvoyée par la défense. Et derrière, on l'a vu, Patrick Saint-Germain qui s'est lancé, qui s'est arraché pour aller récupérer ce ballon. Et la lourde frappe qui est allée se loger dans la lucarne, hein, du gain de but de Nadia FC. On le connaît, un joueur qui n'est pas vraiment aussi adroit sur les frappes lointaines. Et là, sur ce coup, il vient de nous offrir une beauté de frappe, un bijou qui est allé se loger dans la cage du gain de Nadia FC. Quelle beauté, quelle frappe instantanée de la part du capitaine de l'Autopopo qui montre la voie à suivre à ses partenaires. Un capitaine récompensé tout au long de cette saison. Il a été très bon. Il a été magnifique, mirifique. Et on l'a dit, hein, l'Autopopo aura très peu d'occasion dans cette rencontre. Et voyez comment le but est venu. Ce n'est pas forcément sur une phase de construction. Ce n'est pas forcément sur une phase arrêtée. Mais tout est parti de la volonté du joueur d'aller chercher l'ouverture du score. Et quelle frappe et quelle qualité. Ça montre également que le but peut venir de tous les postes de l'Autopopo, ça peut venir de l'attaque ou ça peut venir de la défense, ça peut venir aussi du milieu de terrain. Mohsin qui perd ce ballon. Il va avoir du répondant. Il faut laisser Ray maintenant. Edou Farid qui récupère ce ballon. Sorti de justesse par le défenseur Ibrahim Imouran. Et la position illicite signalée par le premier assistant. On retient que l'Autopopo mène ici 1-0. Depuis la 32e minute. Hein. But de la 32e minute, vous l'avez bien précisé. C'est une frappe. Quel bolide de la part du capitaine. Il a mis tout ce qu'il faut dans cette frappe. Quelle palette. Cosmos qui va prendre ce ballon. Et ça va sortir en touche. Avec cette ouverture du score, il y a une équipe sans doute qui, au niveau de la confiance, prend l'avantage. C'est bien sûr l'Autopopo qui est devant. Parce que là, maintenant, ce sont bien sûr les joueurs de la DFC qui ont plus que jamais la pression. Parce que là, ça les déclasse par rapport à Dynamo FC, avec qui ils sont directement en concurrence pour la deuxième place au niveau de la zone B. À ce but qui vient d'éteindre tout le stade qui était est fou en ambiance. On a tout vu est la calmé. Faveur, on a vu la faveur de cette de ce public d'Aplahoué qui chaque fois à chaque belle occasion ou à chaque belle action de son équipe s'enflamme pour pourquoi pas donner de la voix. Parce que vous avez, contrairement à l'Autopopo qui a ses fan clubs avec de la fanfare et tout, on n'en a pas du côté de Nadia FC, mais on a de quoi donner de la voix pour pousser l'équipe à la victoire. Et on l'a vu chaque fois. Ah, ils vont encore repartir avec Zaki qui va prendre ce ballon et qui contrôle, qui va servir. Kader, on essaie de calmer un peu le jeu. On revient juste sur son défenseur, Imouran. À Patrick qui doit être content de ce but, qui doit être fier. Et on n'est pas tranquille également sur le banc.
malgré l'ouverture du score. Il a de quoi ne pas être tranquille quand vous avez une équipe en face qui a du répondant, qui a de la qualité, qui sait également se créer des opportunités, parce que depuis le début de la rencontre, c'est une équipe qui sait créer beaucoup plus d'occasions. C'est monsieur la DFC, et quand vous savez que ça peut venir à tout moment, un but, ce n'est pas aussi rassurant. Il faut d'abord être rassurant derrière défensivement pour empêcher l'adversaire de revenir au score très vite dans ce match. Parce que plus vous allez garder le score, l'avantage, plus l'adversaire va commencer à douter. Et plus ça vous donne la chance d'aller marquer, pourquoi pas, ce deuxième but pour tuer encore plus le match. Chéhi qui s'appuie sur Imouran. Ah, quelle passe manquée. Edou qui prend ce ballon cadeau, qui va maintenir. Il n'y a pas de position illicite. Et l'égalisation, et l'égalisation, et l'égalisation. Ah non, le but a été refusé. Non, le but a été refusé. Non, 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 non. Ça fait l'égalisation. Le but a été bien, bien validé. Ça a été validé. L'égalisation à la 36e minute. C'est bien validé. Il y a eu d'abord cette perte de balle, malheureusement, c'est cette mauvaise relance hein, de la part de Imouran Hassan. Imouran Ibrahim, derrière, on a eu une passivité défensive qui a permis à l'adversaire de contrôler dans la sphère de réparation, d'aller marquer. C'est bien dommage, mais bon. Alors que les Lotto Boys dénonçaient une position illicite sur l'action. On le disait, il ne fallait pas considérer l'égalisation de sitôt parce que ça sera carrément une autre rencontre après l'égalisation. Et je vous disais tout à l'heure que il y aura deux buts dans cette partie, dans les deux camps. On n'a même pas fait 10 minutes de jeu. Et c'est déjà bien lancé. La partie est bien lancée. Il y a du spectacle sur le terrain. Dans le public, il y a du spectacle comme quoi ça sera joué du début jusqu'à la dernière seconde de cette rencontre. Ah, c'est facile de donner l'égalisation sur une perte de balle du genre. Ah, Mathias Adewale qui dégage le ballon loin. Ah, il ne faut plus perdre de ballon facile. S'il y a un fait, il y a peut-être un fait qui peut être joué en faveur de l'Auto Popo, c'est que depuis le début de la saison, quand l'Auto mène, l'Auto ne perd jamais. Ah, Imouran, il faut bien assurer les passes. Il vient de redonner vie à ce stade qui était complètement mourant par cette égalisation. Le ballon dégagé vers Zakiou qui a changé en temps, qui a permuté son positionnement. Et la faute sur Zakiou qui n'a pas été sifflé. Kissini qui dégage. Mathias Adewale qui va jouer vers Roland. Non, c'est plutôt Zakiou Abdoulaye qui sera un peu court sur ce ballon. Et il y a, on sent qu'il y a une qualité de joueur qui manque à cette équipe de Lotto Popo. Dans cette rencontre où vous n'avez pas vraiment la possession du ballon, il faut un joueur capable de pouvoir garder le ballon. Et on sent que ce joueur qui est capable de garder le ballon, d'aller provoquer en 1 contre 1, d'aller exploiter l'espace, ça manque du côté de Lotto Popo. Attention à cette action. Il met Imouran en vitesse. Heureusement, il est venu contrer ce ballon, il est venu faire son retard. Heureusement, avec ce retour défensif hein, de Imran Ibrahim qui est venu empêcher l'autre Wafou d'aller trouver le cadre puisqu'il était très bien lancé, l'ancien attaquant de l'AS Cotonou. Le ballon va sortir en touche pour les Lotto Boys. Kader Touré va remiser maintenant. La remise en touche effectuée. La faute contre Kader. Lotto Popo est rentré dans un temps faible et il ne faut pas craquer à moins de 5 minutes de cette première partie. Depuis l'égalisation, on sent que la confiance a changé de camp et la pression est beaucoup plus sur l'équipe de Lotto Popo avec une équipe de Dadia FC
qui presse et qui arrive à s'offrir tous les premiers ballons. Et quand c'est comme ça, vous avez de difficultés à pouvoir sortir le ballon et vous commettez des fautes inévitables à des moments donnés. Et ce qu'on a vu la semelle de Kader qui malheureusement a concédé cette faute et qui offre une occasion offensive à cette équipe de Dadier FC. Et vous avez les supporters de Dadier qui scandent et qui crient au second but. Ils n'attendent que ça. Le coup franc va partir. Il faut être vigilant dans cette défense de l'Autopopo qui est presque en filine aujourd'hui. L'Olympe Ganty. Le coup franc est parti. Le ballon levé. Au second poteau, c'est un joueur de l'Adier qui récupère. Et ça a été touché par un pied de l'Autopopo. C'est un joueur de l'Autopopo qui touche ce ballon. Ça donne un corner. Le corner est parti, sorti de la tête, plus haut par Kader. Ils étaient tout seuls, ils étaient deux. Et la position illicite a été signalée. Kader Touré aime ce dépassement de fonction. Alonso, Mohsin Boukari, Kader Touré, Imouran, Vekosmos. Le ballon est perdu, Aguia va le récupérer et le contrôler bien. Il va louper, ça passe. On a, au niveau du milieu de terrain, il faut le reconnaître, on a perdu la bataille du milieu de terrain dans le défi physique. Parce que rien qu'à voir le défi que des joueurs comme Aguia sont capables d'imposer à l'adversaire et pour contrôler le ballon ou même aller chercher le ballon dans le pied de l'adversaire, on sent qu'il faudra beaucoup plus dans le milieu de terrain pour équilibrer le débat. Allez, Mohsin Boukari qui va sortir ce ballon. Kader Touré, le centre capté par le gardien qui dégage. Et le ballon va être sorti par Agnila. Mathias Sadewale qui prend ce ballon et qui adresse le centre au second poteau. La poussette. Roland Béakou a le ballon. Soualiou, Patrick Sediamen qui le contrôle. Cosmos. La frappe contrée. Zaki Wablaï pour le ballon. Et la faute. La faute de main. Encore un coup franc. Cette fois-ci, c'est bien placé. L'Autopopo. Alors qu'on revoit là la frappe
contrer. Mais sur la saison précédente, apparemment, ça devient un peu difficile à apprécier à un moment donné. On a vu le joueur de l'Autopo de la semaine de préparation qui a été chargé dans le dos. C'est vrai que l'adversaire n'est pas allé au duel, mais après, là, si l'arbitre décide qu'il n'y a pas pénalty, on ne fera pas de polémique autour. Espérons que cette action, Mathias Adewale, puisse nous offrir encore pourquoi pas le coup qu'il a eu à sortir face à Soleil FC du côté de Cover pour permettre à l'Autopo de passer devant juste avant la pause. Et qui va jouer, je pense que c'est Mathias Adewale qui va le jouer. Ah, pourquoi ils sont sur le ballon? Patrick, c'est jamais est resté sur le ballon. Ah, le coach Mathias Degueno qui demande à Imouran de monter. Ah, c'est une occasion de but. Il faut mettre ce coup franc au fond. On est à la 47e minute. Il marque et on ira au vestiaire certainement. Et ça a été contré et sorti par le gardien. C'est un corner. Le corner qui sera rapidement joué. Le ballon. La reprise de volée manquée. Et on ira plus loin dans cette première partie, dans cette première période. On retient que Patrick Sédiamé a marqué à la 32e minute. L'égalisation de Farid Edou à la 36e minute. Ça a été chaud. Ça allait dans tous les sens. Il y a eu des occasions de part et d'autre. Un but partout. Score logique. Ça a été très plaisant cette rencontre du début jusqu'à la fin. Avec deux équipes qui se sont créées des opportunités, qui ont eu droit à leur temps fort. Et surtout l'Autopopo qui a su concrétiser la seule véritable occasion qu'ils ont eu dans le match avec cette double frappe de Patrick Sédamé qui est allé se loger dans la lucarne de ce gardien de but de l'Ali FC. Malheureusement derrière il y a ce petit moment de manque de concentration qui a coûté cher avec l'égalisation qui est intervenue 4 minutes après. Mais après ils sont suggérés, il faudra revenir en deuxième période avec de meilleures intentions. Sans doute Mathias Degueno devra réajuster son équipe avec quelques remplacements parce qu'on a vu au niveau du milieu de terrain, la bataille elle semble perdue et l'Autopopo manque de ce joueur capable de garder le ballon pour faire la différence. On revient dans à peu près une dizaine de minutes pour vous faire vivre cette deuxième partie. Pour l'instant, l'Autopopo totalise 30 points. Il reste toujours devant alors que Dadier est son adversaire en face à 25 points. Il reste toujours pour l'instant si le score n'évolue pas entre Dynamo qui va normalement jouer demain. On revient tout à l'heure pour la deuxième partie. A tout à l'heure madame, à tout à l'heure monsieur pour ce match d'Adiel Autopopo.
T'as en 5 dernières minutes, espérant bien sûr que les Lotto Boys voudront bien sûr retrouver leur repère pour une meilleure prestation lors de ces 45 dernières minutes et pourquoi pas repartir d'ici avec un meilleur résultat. Il n'y a pas de changement des deux côtés. On reconduit les 11 entrants de chaque côté pour ce match, pour cette deuxième partie, avec cette touche du numéro 8 de Dadje. Faridédou, contrôle difficile. À Faridédou, un joueur dont on a beaucoup parlé. Faridédou, vous connaissez très, très bien ce joueur. Ce joueur qui avait fait un tour du côté du Maroc, malheureusement, à peine une semaine. Et puis, il a été rapatrié pour des raisons disciplinaires selon le communiqué officiel du club marocain. Après, il a pu faire se relancer à domicile. Et pour le moment, tout semble bien se passer pour lui, qui a retrouvé son club d'Adia FC. Lui qui avait joué du côté des AE, les AE aujourd'hui, le Popo, et qui a été faire une très belle campagne africaine, même si la phase de groupe en Coupe de la Confédération de la CAF a été beaucoup plus difficile. Le dégagement à venir de Rahman Karim. Dégagement manqué. La faute sur Cosmos David. Ouais, Maurice, c'est ce qu'on disait lors des 45 premières minutes. On a une équipe de Dadje FC qui, chaque fois que l'adversaire a le ballon, vous avez pratiquement deux joueurs qui sont au pressing pour empêcher le porteur du ballon de réellement avoir le contrôle du ballon, ce qui oblige les joueurs de l'Autocoupo à vite se débarrasser du ballon. Et derrière, eux, ils arrivent à récupérer pour relancer leurs assauts. C'est pourquoi il faudra repenser, pourquoi pas, le schéma tactique de l'Autocoupo sur le terrain et surtout avoir ce joueur capable de permettre à l'auto de garder le ballon quand ils en ont la possession. Le dégagement de Rahman qui remplace Issiaka Ogoubili qu'on avait vu au match aller. Patrick Sediamen qui prend ce ballon. Ballon perdu par Roland Béakou. Patrick qui va le prendre. La passe de Cosmos. La passe loupée de Morsine. Zaki Wablaï. Nourou Soualiou au milieu. La faute sur Nourou Soualiou. Kissini, Mathias, le centre. Le centre manqué. Complètement manqué, alors qu'il avait mieux à faire, il a la possibilité de porter le ballon vers la surface de réparation. Mais en levant la tête, il envoie ce centre qui est complètement au second poteau, pour ne pas dire qu'il a manqué même le second poteau. Et la faute sur Anila. Abayomi sifflé. Lawani, Kokolo. C'est plutôt le numéro 13. Kosti Djinou qui joue pour Agia muselé là-bas par Abdelaziz Zakiou. Ben, ils ont toujours le contrôle, les joueurs de Sonep en bleu ciel. Roland Béakou, Nourou Soualiou qui perd ce ballon. Et la faute, le carton jaune. Le carton doit être pour le capitaine Patrick Sediamen qui fait cette faute. C'était une vilaine faute. C'est vrai qu'il a perdu la bataille, il a perdu le duel sur son vis-à-vis.
Et il n'a pas eu d'autres options que de lui taper dans les pieds pour le faire trébucher derrière le carton jaune qui est sorti par Raphaël Ligali. Le ballon est parti, la tête pour repousser le dégagement de Mathias Adewale. Ah, il va prendre ce ballon de la poitrine, Lawani. Le dégagement de Kader. La tête au retour de Kossi Diounou. Le ballon est reparti à la défense. Le soleil de Dadier. Le passage au milieu de Edou. Qui va frapper. La frappe à ras le sol. Qui n'inquiète pas. Cheikh Damilola. Il s'est enflammé après avoir réussi son dribble avec le public qui a commencé par le porter. Il s'est enflammé et au lieu de choisir la meilleure option pour cette offensive, il a tenté l'option individuelle avec une frappe bien osée qui n'a rien donné. La passe pour Ablaye Zakiou qui remet le ballon. C'était une très belle jouée par Zakiou Ablaye. Très mal joué, non seulement c'est très mal joué. Au moment où il fallait peut-être centrer, il n'arrive pas à le faire. Tu as réussi à garder le ballon vers la zone de réparation. Monsieur, concentrez-vous, gardez votre ballon pour permettre le temps que vos partenaires puissent monter pour faire le surnombre au niveau de la zone de réparation adverse. Vous n'avez pratiquement personne et le centre qui est venu complètement manqué également. On va suivre ce dégagement. Imoran, le pied de Patrick Aguia qui va prendre le ballon. Aoudo qui renverse le jeu vers son latéral. Mathias Adewale a sorti ce ballon. Il le remet sur la poitrine de Cosmos David, poussé dans le dos. Il obtient la faute, Cosmos David. Cosmos David qui est un joueur de sacrifice, je le dirais comme ça, puisque le Topopo n'ayant plus réellement un œuf de métier qui soit opérationnel, il est obligé d'être reconverti au niveau de la pointe de l'attaque depuis plusieurs journées. Il essaie de dépanner, ce qui fait qu'il n'arrive pas réellement à montrer tout son potentiel parce que c'est un joueur habitué au couloir. Et là, difficile vraiment pour lui de pouvoir faire la différence à un moment donné. Khaled Touré qui sort ce ballon. Khaled Touré qu'on a beaucoup vu dans son habituel dépassement de fonction. Beaucoup vu, même s'il est beaucoup plus moins en vue. Qu'on a moins vu, j'allais dire. Moins vu parce que le connaissant, c'est un joueur très porté vers l'avant. Et quand il se porte vers l'avant, il arrive à dresser de bons centres dans la sphère de préparation. Mais les rares fois où on l'a vu porté vers l'avant, c'est pas forcément des centres assurés, pas forcément comme cela c'est pour son équipe. Chey Roland Beyakou. Ah, y a pas faute. Ah, Roland, il faut être solide. Kissini Nourou Swaliou. Rousseau Aléou, la passe assurée pour Mathias. Rousseau Aléou, Kissini, Khaled Touré, à 1-2, bien fonctionné. Ils ont de difficultés à sortir ce ballon, mais ils le sortent finalement. Sur cette remise de Roland Beyakou, je crois que Khaled n'avait même plus besoin de contrôle. Il enchaîne rapidement avec le centre, mais il y a ce contrôle de trop qui le met en difficulté, qui ne lui permet pas d'avoir le ballon. Il ne fallait pas avoir cette réaction inutile. Roland Beyakou, il n'est pas dans son match. Ce n'est pas le Roland Beyakou qu'on a vu dans des matchs précédents. Ce n'est pas forcément son meilleur match.
À un moment donné, il faut. Regardez la réaction de Mathias Deguenon tout de suite, qui n'était pas content. C'est compréhensible, déjà, vous perdez le ballon dans une action précédente qui a permis à l'adversaire de lancer une offensive, même si derrière ça n'a pas abouti. Et derrière, vous avez le ballon, l'opportunité d'aller provoquer un 1 contre 1. Vous vous jetez entre les adversaires. C'est vrai que l'arbitre n'a pas sifflé, vous réclamez une faute, mais il faut passer à autre chose. Christian Izou va jouer cette faute non loin de la ligne médiane. Rahman Karim pressé, la défense dégage côté d'Adjet. Nourousso Aliou, Imran Cosmos David, contrôle manqué. Kader Touré pour toucher ce ballon. Patrick Sediame, Mohsin Boukari, Kader Touré, Roland Béakou, Kader Touré, le centre. Il était là pour assurer la couverture, ce défenseur. Mohsin qui remet de la tête pour Kader. Le ballon est sorti. Roland Béakou qui perd le contrôle, il va batailler pour récupérer le ballon et il fait la faute. Je vous ai dit, Roland n'est pas vraiment dans son match, même au niveau des contrôles, il se loupe. Et quand un joueur n'est pas vraiment en confiance, on le sent, c'est peut-être l'illustration parfaite de Roland Béakou ce soir sur le terrain. Et ce n'est pas forcément des faits de jeu qui profitent à l'équipe, à Mathias Deguenon, de réagir et de procéder au remplacement. C'est vrai, on le voit faire de grands gestes, faisant de remontrances à son joueur, mais ça ne suffit pas. Cosmos David. Et le ballon est remis. Et le but. Cette passe à l'adversaire. Cette passe qui profite à Mohsin Boukari, qui était dans le dos de la défense. Il était opportuniste, il a mis ce but. Jules Vaudoulon à la 57e minute. Non, à la 58e minute, il faut préciser. Il était opportuniste. C'est ça qu'on appelle être un vrai renard de surface. Il ne s'y attendait pas du tout, la défense de cette équipe de la DFC, qui s'est fait surprendre sur ce coup avec cette mauvaise relance, cette retropasse qui a été une passe décisive pour Mohsin Boukari, qui ne s'est pas posé de questions. Une reprise de volée parfaite pour envoyer le ballon dans le camp de la DFC, ce qui permet à l'Autopopo de repasser devant. L'Autopopo passe devant, 2 buts à 1 désormais. But marqué à la 58e minute. C'est ça ce qu'on demande, rien qu'à une équipe. Quand vous êtes dans un match aussi compliqué, aussi fermé, où vous avez très peu d'occasions, quand vous en avez marqué, et on l'a vu depuis le début de la rencontre, les seules rares fois que le Topopo a réussi à frapper au but, ils ont marqué. Et c'est ça ce qu'on demande à une équipe qui est ambitieuse et qui a envie d'aller chercher un titre au terme de la saison. Ah, le peuple est à terre. Silence radio ici à Plaroué. Cette frappe du capitaine qui n'inquiète pas Cheikh Ami Lola. Et même le but a failli nous surprendre. Ah oui, parce qu'on ne le voyait pas venir. On ne le voyait pas forcément venir. Même le gardien de but, quand on voyait sa réaction, on a l'impression que le ballon passait juste à côté de son montant. Malheureusement pour lui, ça filait tout droit dans les buts. Roland Béakou qui perd le ballon. Mohsin Boukari qui est aussi l'un des artisans du titre de l'Autopopo en 2021. Avec une équipe très solide qui a su enchaîner les bons matchs à l'époque.
qui a su surprendre tout son monde et qui a envie de rééditer l'exploit cette fois-ci. Mathias Sadewale, Moussine, Nourou Swaliou, Patrick Sedjamin, Imouran. Ah, le Topopo retrouve les automatismes. Kader Touré, Cosmos, Patrick Sedjamin, quelle belle étude, quel renversement de jeu. Moussine. On joue entre les lits. Le ballon et la faute. On reviendra sur la faute. C'est très bien arbitré par l'arbitre. On a vu Boukari qui était beaucoup plus en retard sur l'action. Il s'est jeté malheureusement. Il s'est fait mal sur cette action. Alors qu'il aurait pu l'éviter. Même si on le sait, il était beaucoup plus engagé et déterminé à aller récupérer ce ballon. Ah, il a beaucoup de douleur. C'est Roland Béakou qui finalement va sortir. Hein. Il y a plusieurs changements qui se préparent. Et quand vous avez un joueur qui n'arrive plus vraiment à tenir la concurrence dans le jeu, il faudra pourquoi pas le sortir pour envoyer un joueur capable d'apporter un plus. Ah, la mauvaise passe. Attention à ce ballon à Bayami. Ils vont frapper. Edou Farid. Farid Edou. Ah, on a vu la réaction de Narcisse Aguia qui n'était pas content de son partenaire. Il s'attendait à un but. Il y avait mieux à faire. À un moment donné, je les voyais frapper. Mais d'hésitation en hésitation, on se retrouve devant avec une défense regroupée déjà, qui est venu refermer l'espace. Est difficile pour eux de pouvoir aller chercher cette égalisation quand vous avez une défense bien positionnée, bien placée. On va repartir maintenant de la base arrière de Dadier avec Roland Tobito. Le renversement. Et le centre sur la poitrine de Kader Touré qui dégage ce ballon. Mathias Sadewale qui le renvoie jusqu'au gardien Rahman Karim qui va relancer. Sa défense par l'entremise de Brahiman. Aguia. Kossi Diounou. Passe manquée. Patrick. Roland Béakou. Mauvais contrôle de Patrick Sedjamin. Quatre changements à venir côté l'Autopopo. Avec Marcel Boukari qui ne pourra plus poursuivre la Roland est le premier à perdre sa place. On le dit et on le savait, tel que ça a évolué pour lui, c'est un changement logique. Les entrées de Gilbert Dayandé, de Olatilou Taïwo. Nourou Swaliou va laisser sa place à Hassan Imouran. Et je pense que Zaki Wablay aussi va sortir et être remplacé par Zoulkaneri Seibou. Assez de changements parce qu'on a senti quatre changements. Le défi physique étant ce qu'il est dans le match
qui est d'une intensité assez rare. Il faudra envoyer le 109 pour contenir cette équipe de Nadia FC qui, ma foi, est une très belle équipe. Et la faute du Bayomi sur Ibrahim Imouran. Ah, ça sent un peu du cafouillage. Ah oui, déjà, sous son premier ballon, on a eu Zoukaneri qui avait, il n'y avait pas à réfléchir. Dégagez, monsieur, dégagez tranquillement parce que vous avez la pression de l'adversaire. Dégagez. Mais il a tenté de faire une remise dans la sphère de réparation de sa propre équipe. Derrière, il y a la récupération de l'adversaire. Heureusement qu'il y a le dégagement de Ibrahim pour renvoyer ce ballon loin de la défense de l'Autopropo. On va rafraîchir la mémoire à nos internautes pour dire un peu que pour l'instant, l'Autopropo, avec ce résultat, passe largement devant. Vous faites un petit calcul, 29 plus 3, ça vous donne 32, plus un goal différentiel de 16. Alors que Nadia va rester sur ses 24 points. Je suis tenté de dire que c'est sans doute la meilleure saison de l'Autopropo en Ligue Pro depuis 3 saisons. Et quand vous avez une équipe qui réussit une saison aussi intéressante, il y a de quoi maintenir l'ambition pour aller chercher le titre. C'est important. La faute du Cosmos. La faute de Diounou sur Cosmos David Tchukwedi et le changement maintenant avec la sortie de Farid Edou remplacé par le numéro 27 Cédric Agbalika. Ah, c'est le premier changement de Nadier. Ah oui, le une équipe qui est menée mais qui ne change pas beaucoup de choses. Mais c'est normal quand vous avez des joueurs qui répondent sur le terrain. C'est vrai, on a vu l'entraîneur qui a jugé de faire sortir Farid Edou parce que c'est lui qui est celui qui a gâché beaucoup plus offensivement des occasions pour l'équipe. Donc il faudra peut-être pourquoi pas envoyer quelqu'un qui pourra faire la différence. Sinon, dans l'ensemble, on a une équipe qui tient bien, qui est en place et qui montre qu'elle a encore de la ressource pour aller chercher l'égalisation. Et la faute de Hassani Mouran sur Roland Tobito à Gyanassis qui perd le ballon qui va jouer avec Bouraïman qui va chercher un appui et revient jouer avec Diounou. La frappe contrée, Gilbert Dindé qui va tenter peut-être. Le lobe était loin, très loin. En plus, le gardien a compris le jeu parce qu'il était, c'est vrai qu'il était avancé, mais quand il a su que Gilbert Dindé allait armer sa frappe, il a juste fait quelques pas en arrière pour attendre que le ballon vienne. Et tranquillement, il a su le capter. Narcisse Agia, Roland Tobito, Diounou maintenant, qui revient sur son capitaine. Aoudo qui va jouer avec Brouhaha. Agia. Agia n'a pas visiblement de solution. Ouais, parce qu'en face, il y a une équipe de l'Autopropo bien en place qui a su cadrer l'espace comme cela se doit avec des joueurs qui sont presque marqués sur le terrain. Donc difficile pour les joueurs de Nadia FC de trouver de la solution pour servir le partenaire. Patrick Sediame qui va lancer Olatilou. Ah, on le connaît, Olatilou. La passe à Gilbert. Non, il fallait mieux travailler ce ballon, Gilbert Adayande. C'est ça, une c'est opportunité un gâchée. C'est un cadeau pour le gardien de but. Aucune puissance. On sent que c'est une frappe sans conviction. Alors qu'il y avait mieux à faire. Diounou qui a de difficultés à prendre ce ballon. La faute, il était en retard. Il était bien en retard parce que
David Cosmos était beaucoup plus en avance. Il a su anticiper sur le ballon. Et le tacle, le vilain tacle, qui est venu le raser. Encore 20 minutes à disputer dans cette partie. Alors que là, on revoit la faute sur Cosmos. Elle est tue. Le Mouran qui touche ce ballon. Bouraïman à Guyanassis. Il désert le milieu de l'Autopopo. Il désert complètement ce milieu et la faute de Roland Tobito. Cosmos qui va faire l'effort. Une belle protection également de balle. Voilà, c'est ce qu'il faut. C'est une fois Gilbert Dandé a compris la leçon. Il faut presser quand le gardien de but a le ballon. Quand le ballon est dans la défense du passant adverse, il faut presser, il faut apporter le pressing pour les obliger à vite se débarrasser du ballon, ce qui permet de vite récupérer le ballon. Il y aura des changements à venir côté d'Adjet. Au moins trois. Ah, les avertissements de l'arbitre Akadet Touré. Il ne faut pas jouer avec la montre. Agia Narcisse qui force le passage. Le ballon au second poteau en direction de l'autre Wanvou qu'on a peu vu dans cette partie, l'autre Wanvou. C'est vrai que lors des 45 premières minutes, on a vu un joueur beaucoup plus en vue, qui courait beaucoup plus, qui allait apporter de la solution au niveau du flanc offensif. Mais cette fois-ci, depuis la reprise, on voit un joueur qui est en difficulté parce que devant, il a la défense qui est resserrée autour de lui. Donc, difficile pour lui d'avoir de l'espace comme il aime en avoir pour l'exploiter. Et de porter le ballon vers l'avant. Difficile pour lui parce que chaque fois quand le ballon est envoyé dans le dos de la défense, il y a l'axe qui arrive à répondre et qui forme le duo autour de lui pour l'empêcher d'avoir réellement le ballon. La touche de Aguia vers Bouraïman. Mathias a dévalé. Hassan. Kader Touré, le ballon vers Cosmos David. Olatilo qui va aller presser là-bas. Patrick Sejamek qui prend ce ballon. La perte de balle encore de Cosmos David. Narcisse Aguia. Et quel retour
de guerrier de Hassan Imran. Il y aura encore une pause fraîcheur. On est à la 75e minute de jeu. Les timings bien indiqués par la FIFA depuis le mondial Russie 2018 pour le cooling break pour permettre aux joueurs d'aller se rafraîchir. Et c'est bien observé par l'arbitre Rafi Oligali de cette rencontre. Mais parfois, il y a des arbitres qui l'observent une fois. Il y a des arbitres qui s'en passent aussi. Ben, on sait que l'atmosphère n'est pas forcément la meilleure actuellement avec la période où vous avez la respiration devient aussi parfois compliquée. Et quand vous avez des joueurs qui dépensent autant d'énergie sur le terrain, il faudra sans doute les aider également à pouvoir compenser la dépense énergétique et la récupération pour pouvoir fournir plus d'efforts sur le terrain. C'est vrai, c'est une pause fraîcheur qui permet aux deux équipes de prendre un peu d'eau, de prendre des gorgées d'eau. On voit les arbitres très souvent, mais c'est aussi une pause communicationnelle. Ah oui, les entraîneurs qui en profitent pour passer des messages aux joueurs, parce qu'on le sait, on rentre dans une période, les 15 dernières minutes, qui sont quand même cruciales dans une rencontre. Donc c'est le moment plus que jamais de rester concentré pour ne pas finir par craquer dans une rencontre aussi importante où vous menez. Et c'est le moment choisi par le coach Vincent Roturo pour faire entrer son numéro 18, Nassirou Adamou, qui vient remplacer son ancien coéquipier du côté de l'AS Cotonou, l'autre Wanvou. Oui. Il se retrouve ici du côté de Dadi FC. Et le numéro 17 également a fait son entrée, Ariel Komi. Et le dernier qui va faire sa place sur le terrain désormais, c'est bien sûr Rounon Di Marcel. Et il faudra être surveillé beaucoup plus Nassirou Adamou de près, parce que c'est un joueur qui aime l'espace, qui est athlétique, qui a de la vitesse. Et quand il a de l'espace devant lui, il arrive à prendre son adversaire de vitesse. Et c'est un joueur qui est aussi très adroit devant les buts. Mohsin Boukari aussi a laissé sa place en temps. Le ballon repoussé par le gardien Gilbert Dindé qui n'arrive pas à contrôler. Ah, il joue de la main. Gilbert Dindé, il va les mettre en vitesse. C'est ça, il le fait. Il y a le retour et le tac de ce défenseur. Diounou. Non, il n'y a toujours pas le cinquième joueur de l'Automopo sur le terrain. C'est ce que je veux dire. Vous avez vu le défi physique, l'impact que Imran Hassan arrive à porter dans le jeu. Il va au contact de l'adversaire. Il ne donne pas l'espace à l'adversaire de pouvoir le dominer. Progresser. Et chaque fois, il arrive à le couper très tôt. Et c'est ça ce qui manquait à cette équipe depuis le début. Regardez son effort. Il travaille beaucoup. Beaucoup. Ce qui permet à l'Automopo de vite casser le rythme de l'adversaire depuis déjà le milieu de terrain. Il prend aussi des coups. Hein. Ah oui, mais si vous acceptez d'en donner, vous savez que vous allez aussi en prendre forcément. Et la touche pour Diounou Bouraïman. Imran qui dégage. Cosmos qui ne saute pas. Ah, ils ont toujours le ballon. Ah non, il vient de faire son entrée. Il a du sang. Il a du sang neuf. Abayomi. Tobito Roland qui va jouer avec Diounou. On renverse. Contrôle difficile. Ou Nassirou Adamou.
Mais devant, on sent que même David Cosmos aussi n'en peut plus. La fatigue semble commencer par. Il y a encore un changement pour le topo. Est-ce qu'il faut changer un avant-centre ou il faut préférer un défenseur pour cadenasser? Même dans ce coup, on sait qu'il n'y a plus d'avant-centre sur le banc de touche. Un avant-centre de métier capable de pouvoir réellement faire la différence. Mais devant, quand vous avez. C'est vrai qu'il essaie de porter. De jouer un peu son rôle comme il le peut. Mais comme l'avait dit, quand vous êtes dans une rencontre aussi compliquée où vous menez, l'option ne sera pas forcément d'aller faire sortir l'attaquant qui est là, peut-être densifier le milieu ou plutôt aller essayer de renforcer la défense. Pour la Tilou qui a de difficultés parce qu'il a pris un coup au visage. Ah, je pense qu'il doit être en train d'essayer parce que je vois tout de suite la réaction de ses partenaires qui appellent les soigneurs. On a Tilou qui va être évacué sur civière. Espérons que ça soit juste plus de peur que de mal. Qui pourra revenir rapidement sur le terrain parce que vous n'avez plus qu'une option de changement désormais. Le pire à éviter, c'est que un de vos joueurs soit blessé à un moment aussi précis. Ah, il faut se concentrer, Kader. Heureusement qu'il y avait Zulkaleri Sebou qui est venu corriger l'erreur de Kader Touré qui somnolait un peu. Là, sur le coup, il faut dégager, il faut renvoyer le ballon de la tête. C'était la meilleure option qu'il fallait. Mais qu'est-ce qu'il a voulu faire ensemble? On sentait qu'il voulait faire une remise à Zoukaneri, mais c'était un mauvais choix. Aoudou qui va jouer avec un de ses partenaires. Kader Touré sur le ballon. Il le dégage très loin vers Cosmos qui semble être seul. Qui va jouer avec son capitaine Gilbert Dayané maintenant. Mathias Adewale qui récupère finalement le ballon avec un peu de difficulté. Kader Touré, Zulkaleri Sebou qui laisse le ballon pour Kader Touré. C'était bien joué, c'était très bien joué. Il y avait la faute sur Kader Touré. Qui a vu le tacle de l'adversaire, c'était méchant. Et il faut le reconnaître, il n'aurait pas sauté qu'il allait recevoir un sacré coup dans les pieds. Et ça allait être, pourquoi pas, porter atteinte à son équipe. Et l'arbitre était revenu sur la faute. Mathias Adewale. Il ne faut pas prendre le risque. Cosmos David va prendre ce ballon, c'est sûr. Il a le contrôle. Zoukaleri Sebou. Petit gabarit, mais très tranchant ce joueur de l'Autopopo. Un international junior aussi. Il faut faire remarquer, hein, depuis quelques minutes, l'Autopopo qui évolue à 10 contre 11. Pascal Latilou qui continue toujours de recevoir des soins du côté. Ah oui, je vous avais dit que. Il avait pris un coup et ça semblerait être une blessure. Et on a vu Olatil désormais avec son nouveau look. Un nouveau look, oui, avec la tête bien bandée. Avec une bande blanche à la tête. C'est la preuve qu'il a dû réellement être blessé, comme vous l'avez dit.
Encore 5 petites minutes à jouer dans cette partie. Assa communique beaucoup sur le banc. Bayomi qui a tenté de frapper. Heureusement, son ballon a été contré. Le retour du capitaine Patrick Sejama et Gilbert Dindé. Ah, il ne faut pas perdre ce ballon. Il y a toujours un blanc qui vient sortir ce ballon. Patrick Olatilou qui va renverser le jeu vers Kader Touré. Il a du champ devant. Il faut coulisser le ballon pour Zoukaleri Seibou qui va garder le contrôle. Qui remet pour Hassan maintenant, qui revient jusqu'à Rumpevi. Hassan joue dans tous les couloirs. Olatilou, Gilbert Dindé, Kader Touré, le centre au second poteau. La tête de Olatilou, pas cadré. Imouran. À quelle perte de balle encore, regardez. Heureusement, il n'y avait rien, dit monsieur l'arbitre. Encore une perte de balle à Bayomi, à Odo. Dionou, Bouraïman, Tobito, à Bouraïman qui sort de sa défense. Nassirou Adamou qui cherchait son partenaire Cédric Agbalika, mais le ballon a été très bien protégé par Gilbert Dayandé. Deux petites minutes dans cette partie. Patrick Sejama. Dionou. Kissini. Kader qui saute plus fort. Tobito Roland qui va jouer avec Agbalika. Dionou. Bouraïman, le numéro 5 de Dadje. Revient ensuite Tobito. Et la passe. Kader, il faut assurer. Il va suivre ce ballon jusqu'à la sortie. Deuxième victoire pour l'Automopo si le match s'achève sur ce score. Ah, le carton. Le carton jaune. Ouais, je voyais ça venir depuis un moment. Chez Damilola qui prend trop de temps. C'est vrai qu'il faut griller quelques secondes pour permettre. Pourquoi pas conserver la donc c'est le positionnement justement de Kissini Benjamin Rumpevi qui ne permet pas à son gardien de vite dégager. Mais à un moment donné. Vous savez que vous avez un temps pour conserver le ballon, donc il faut dégager. Pour ah non, il ne faut pas. Il faut pas entrer dans un mauvais temps. Patrick Sejama essaie de parler à ses partenaires. Il ne faut plus donner un but cadeau, comme ce fut le cas en première partie. Et 4 minutes de temps additionnel.
Et vous n'avez certainement pas vu le quatrième arbitre. Mais il n'y a que 4 minutes à discuter encore. 4 minutes à disputer dans cette partie. Il y a encore 4 minutes et ça sera fini. Il faut tenir bon. Ah, ça semble être une victoire. En tout cas, on a le public. Commence par rentrer. À 4 minutes, beaucoup de choses peuvent se passer. Exactement. Et le public. Avec un délai changement qui s'annonce du côté de l'Autopopo. N'est pas patient. Je pense que Mathias Adewale va laisser sa place. Et ce ballon. Et la faute. La faute est intelligente parce que c'est une phase offensive pour Ariel Comi. Qui était très porté vers l'avant sur le coup. Il y a un dernier changement, c'est Mathias Adewale qui va sortir. Et qui va être conduit par Ligali Rafiou. La faute, la charge sur le gardien de l'Autopopo. Dans cette zone, ce sont les gardiens qui sont souvent protégés. Et ils sont les seuls autorisés à être soignés sur le terrain. On a encore 2 minutes à disputer dans cette deuxième partie. On dira peut-être que l'Autopopo, au coup de sifflet final, bien sûr, a été maître sur l'ensemble des deux parties, que ce soit au match aller comme au retour. Une très bonne opération pour cette équipe. Comme je l'avais dit à un moment donné, c'est sans doute la meilleure saison de cette équipe en Ligue Pro. Une équipe qui a réussi à enchaîner les bons résultats, les bons matchs, les bonnes victoires. Et ça viendra encore confirmer si le score en restait là. Que si jamais l'Autopopo mène, l'Auto ne paie jamais. Et lors de la 17e journée, l'Autopopo va se reposer. Nadia va jouer. Et surtout avec cette victoire. Mais surtout avec cette victoire. L'Autopopo ne peut plus être rattrapé. Ne peut plus être rattrapé. Et surtout cette victoire qui se décide pour l'Autopopo. Ça met la pression sur Nadia FC qui derrière est pressé par cette équipe de Bani Nancy qui est bien en place, qui est aussi bien lancé pour une place en Ligue Pro, en Super Ligue Pro. Il y a également des clubs Rodio qui est là, qui a de quoi espérer si entre-temps réellement le score en restait là. Comme quoi, derrière, c'est tout un beau monde qui a de l'espoir grâce à ce résultat qui se dessine dans cette rencontre. Il y a un changement, la sortie de Roland Tobito pour le numéro 22. Souleymane Yakoubou qui va jouer. On a encore plus de 2 minutes à jouer, rassurez-vous. Sans doute, parce qu'après, on se rappelle, il y a Chidami Lola qui avait été touché, qui a dû crier quelques secondes. Donc l'arbitre va essayer de compenser tout ceci. Et là, il y a une sortie. La mésentente entre les deux joueurs. La faute sur Patrick Sejamé qui n'a pas été sifflé. Et plutôt, c'est une touche. On a dépassé le temps additionnel. Les 4 minutes sont épuisées. Mais entre-temps, il y avait eu la blessure. Le Cheikh Dami Lola, le gardien de l'Autopopo. Ola Tilou. Il aime garder le ballon. Ola Tilou a regardé comment il passe. Ola Tilou
pour envoyer ce ballon à Zulkaleri. Contré. Ils vont le sortir finalement. Même s'il y a Hassan qui va toucher ce ballon. Eh bien Boris, il faut reconnaître quand même que Imoura Hassan, son entrée a fait réellement un bien fou à cette équipe de Topopo au niveau du milieu terrain, parce que le nombre de batailles qu'il a réussi à gagner dans cette rencontre est énorme. Il a permis surtout de vite casser le rythme de l'adversaire quand les joueurs de la DFC ont le ballon pour se porter vers l'avant. Il arrive rapidement à les stopper un peu loin de la salle de réparation de Topopo. Zulkaleri Seibou qui dégage ce ballon loin de son camp. On joue les prolongations dans le temps additionnel. Et ce ballon va être capté. Et c'est pas fini. On jubile déjà côté le Topopo parce qu'on sent, on le sent. Raphaël Ugalde qui le sent. Le dégagement pour siffler. On le sent. On le sent. On le sent. Et c'est fait ici. La victoire s'est dessinée au bout des 90 minutes plus 4 minutes plus 2. Ça fait 96e minute. Dans cette partie où le Topopo a marqué déjà très vite à la 32e minute, égalisation à la 36e minute. Moussine Boukari est venu en deuxième partie à la 58e minute. Soler le son de cette rencontre. Le Topopo passe devant, le Topopo se qualifie pour la Super League. Le Topopo passe devant avec 32 points désormais, plus un goal différentiel de plus 16. Le Topopo réalise l'une de ses meilleures saisons en Ligue Pro. Qu'est-ce que ça a été très difficile, hein, cette rencontre très compliquée du début jusqu'à la fin, avec une équipe de la DFC qui a été très impressionnante déjà dans les 30 premières minutes, mais derrière à l'expérience et surtout au réalisme de Topopo qui arrive à s'imposer 2-1. Et comme on le dit, quand vous avez l'opportunité de pouvoir marquer, il faut saisir ces occasions pour le faire. Ils ont réussi à le faire et ils ont dompté l'adversaire en aller-retour cette saison. Je crois qu'ils ont reçu une très belle opération ici à Plaroui. Le Topopo plus que jamais maître de cette zone B de la Ligue Pro. Et on voit le président qui va d'abord aller féliciter ses joueurs. Il va d'abord féliciter le banc. On voit ces images de félicitations. Regardez, ils vont aller saluer le public, ceux-là qui étaient toujours là, la communion entre les supporters de l'Autopopo. Le public, regardez la danse sur le terrain. Et que dit le Cosmos David qui s'y met également, c'était inattendu. Mais tout le monde en profite parce que c'est un moment de joueur, de faveur. On écrit l'histoire chaque saison. Chaque journée, je crois que quoi qu'on dise, le Topopo est bien lancé pour aller chercher ce deuxième titre, cette deuxième étoile. Le Topopo qui va aller chercher une deuxième étoile. Il faudra d'abord jouer les matchs de la Super League. Il y a encore deux matchs à jouer avant la Super League. Il y aura la pause après. Et la Super League, regardez, regardez, regardez le président qui chante. La joie d'un président heureux à qui s'y met et qui est souvent dans les gradins, qui est souvent dans les vestiaires, qui est souvent sur le terrain. On dit félicitations, Jules, et on dit toutes nos sincères condoléances à notre ami. Modérant. Le réalisateur de Global Sport Management qui assure, celui-là qui permet réellement de suivre les matchs sur les pages Facebook de l'Autopopo et sur la chaîne YouTube de l'Autopopo. Modérant, qui a perdu sa chère maman. Pensez, on va lui dire beaucoup de courage à notre ami. On a eu beaucoup de cette carte aussi de dessin. On pense aussi au coach Jerry qui a perdu son père au cours de cette saison. On pense également à un de nos confrères. Flavien Tchadé qui a aussi perdu par ces moments difficiles. On va dire merci
à tout un chacun de vous. Merci aux amis, merci. Et c'est avec cette ambiance qu'on va vous laisser. On sait qu'il y a beaucoup de supporters. On pense à tous les dirigeants. On pense à Valais, on pense à Michael. On pense aussi à Essenam Zosu. Tous ceux-là qui suivent l'Autopopo, tous ceux-là qui accompagnent l'Autopopo. Au revoir.